Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de cet énorme sac qui en fait permet de transporter toute ma vie de vidéaste, que ce soit drone, que ce soit vidéo, les cartes SD, le FPV, le Mavic, enfin il y a vraiment tout dedans, il y a 15 kilos de matériel et il y a beaucoup d'argent dedans. C'est le genre de vidéo qui m'intéresse vraiment beaucoup quand je regarde d'autres vidéastes, ça me permet de m'inspirer sur le matériel, sur l'ergonomie du matériel, sur le sac, parce que moi j'ai cherché pendant de nombreuses années le sac est vraiment idéal pour ce que je fais pour le FPV et pour en fait tout le gros combo que je fais dans la vidéo, et mais aussi qui me servent dans mon quotidien lorsque je fais pas forcément que de la vidéo. Et je pense l'avoir trouvé. Vraiment, là, on est face à quelque chose qui est très quali. C'est pas du tout ce qu'il y a de moins cher, mais je pense que pour moi, je n'aurais jamais à changer de sac, en tout cas même de marque. J'ai gardé le même sac pendant plus de 2 ans et il était grand temps que je change. J'étais pas du tout satisfait de la qualité des matériaux, du maintien sur le dos, et à chaque fois que je faisais des grosses randonnées, je me retrouvais avec des énormes courbatures dans les trapèzes. Enfin voilà, c'était la galère. Et là, j'ai amélioré mon matériel. Donc, par la même occasion, je vais pouvoir vous présenter tout le matériel dont je n'ai pas forcément l'habitude de vous parler. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et d'ailleurs, ce sac, c'est Miss Numérique qui me l'a envoyé. C'est de la marque F-Stop. Ils ont une énorme gamme, un énorme choix. Et ce sac existe dans différentes tailles. Ça, c'est un 70 litres. Il existe des 80 litres. Il existe des 40 litres. Enfin, c'est pas pour rien que je le partage aujourd'hui, que j'ai demandé à Miss Numérique de me l'envoyer. Parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur partenaire pour nos expéditions. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors, déjà, au niveau de l'aspect extérieur, vous avez vu qu'il a une matière qui est très sobre. C'est ça vraiment que j'aime bien, c'est qu'il est assez discret. C'est sur la base d'un sac de randonnée, mais vraiment pensé pour la photo et la vidéo. Et c'est génial, vous avez vu que je peux mettre vraiment plein de choses. À l'extérieur, nous avons 2 drones FPV et le Ronin sur le côté. Il y a des compartiments de partout. Et je peux vous dire que quand on a autant de place, on réfléchit beaucoup à l'ergonomie, à savoir où est-ce qu'on va placer, si, ça, ça. Enfin voilà, il y a des rangements partout et ça va être très intéressant. On va faire compartiment par compartiment. Je vais vous montrer d'abord un petit peu tout le gros pour ensuite aller dans les détails et vous donner 2-3 conseils sur le matériel par la même occasion. Donc d'ailleurs, si le sac vous intéresse et si la gamme de ces sacs F-Stop vous intéresse, vous avez tout en lien dans la description. Ce sont des liens affiliés. Si vous achetez par ce lien, ça vous reviendra pas plus cher et en plus, vous permettez de me soutenir parce que j'aurai une commission sur les ventes. D'ailleurs, je pense que vous êtes déjà un grand nombre à avoir un F-Stop, donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. C'est vraiment le genre de contenu que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc là, on a une superbe attache pour nos drones FPV, hein. Bon, c'est pas du tout pensé à la base pour ça, mais n'empêche que c'est hyper pratique. Là, ils vont pas tomber, on risque pas de les abîmer, enfin c'est vraiment génial. Grâce à cette matière, il est imperméable, donc il n'y a pas besoin de housse supplémentaire pour le protéger de l'eau. Puis en plus de ça, puisque ce n'est pas du tissu, contrairement à mon ancien sac, c'est une matière qui est très facile à nettoyer. Et je peux vous dire que lorsque je l'ai amené avec moi pendant 48 heures de bivouac, il était dégueulasse. Et vous avez vu que là, on s'en est plutôt bien sorti. J'ai mis une petite lingette et il est déjà quasi comme neuf. Avant de parler de l'intérieur du sac, comme je vous l'ai dit, il fait 15 kilos avec tout ce qu'il y a dedans. Et on sent rien du tout dans le dos. Je sais pas comment ils ont fait. Quand on le porte, en fait, tout le poids est concentré ici, à la hanche, donc on le sent pas. Donc certes, évidemment, ça va être forcément plus physique lorsqu'on fait des randonnées, mais je peux vous dire que je l'ai pas senti dans le dos, j'ai eu aucune douleur dans les trapèzes, on sent rien dans les trapèzes et les épaules. Et ça, c'est tellement agréable dans les grandes randonnées que j'ai pu faire avec des grands dénivelés. C'est vraiment ça le gros point positif pour moi, sans même penser à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vraiment, le fait qu'on ne sente pas les 15 kilos dans le dos, mais c'est d'un bonheur absolu. Bon, je détache aussi le Ronin et je vais vous montrer comment j'ai réparti l'intérieur. Alors déjà, le plus important avec ce sac, c'est qu'il peut s'ouvrir ici, contrairement à pas mal de sacs de randonnée, ce qui vous permet d'avoir un accès direct à tout votre matériel. Là, évidemment, il y a un trou parce que je filme avec l'A7 III, avec le grand angle d'ailleurs. Je pense que de toute façon, vous l'avez déjà remarqué. Donc déjà là, on voit, on va dire, la moitié de ce qu'il y a dans la totalité du sac. Par où commencer en fait? Bon, déjà, on va commencer au niveau de la vidéo avec l'A7 III, avec les objectifs et tout ça. Ça, c'est en quelque sorte la configuration que j'utilise le plus. Après, je peux changer, hein, si j'ai pas besoin de FPV, je vais pas me trimballer les 12 libos, la radiocommande avec les Fat Shark et tout ça. Enfin, je vais essayer d'optimiser au maximum le poids. Donc déjà, je précise que ce modèle 70 litres, c'est le F-Stop Shuka, hein, comme c'est écrit juste ici. Et l'énorme compartiment qui continue encore plus loin
n'est pas inclus avec le sac. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir choisir vous-même la taille du compartiment que vous voulez. Moi, je crois que j'ai pris l'avant-dernier en termes de taille. Il y en a un qui est encore plus grand que ça, mais il n'était pas fait pour ce type de sac. Il était fait pour le 80 litres. Là, j'ai vraiment la version optimale pour le 70 litres. Et vous avez vu, alors déjà au niveau des compartiments que nous avons, notre joli Mavic 2 qui est juste ici. Ah non, non, j'avais dit que je parlais d'abord de la vidéo. Donc là, nous avons l'emplacement de l'Asset 3. Ça me permet quoi cet emplacement? Ça me permet d'avoir directement accès à mon boîtier avec une grande optique. Je peux le ranger directement, j'ai pas besoin d'enlever l'objectif et de tout mettre dans des compartiments. Et n'empêche que ça va avec des gros objectifs comme ça, comme ce 24-105. Donc là, en quelque sorte, c'est comme si on avait notre boîtier ici et je le range ici. Au total, ça nous fait 4 objectifs. Un qui est sur la caméra, là je filme avec un 14-24 mm de chez Sigma qui ouvre en 2.8. Là, nous avons un Sony 24-105 qui ouvre en f4 avec un petit filtre ND, la base, les filtres ND. Ici, nous avons une bague pour faire du macro. Hein. J'avais pas envie d'investir dans un objectif macro parce que ça coûte quand même 1000 balles. Et je me disais que pour commencer, pourquoi pas utiliser juste des bagues. Alors moi, ce dont j'ai juste peur, c'est que ça abîme un petit peu le boîtier lorsqu'on le met entre le boîtier et l'objectif. Mais n'empêche que ça fait vachement le taf. Ils sont amplement suffisants pour mon utilisation. Juste en dessous, nous avons un objectif à focale fixe en 55 mm qui ouvre en 1.8 de chez Zeiss. C'est l'un des meilleurs objectifs que j'ai en termes de piqué et tout. Il n'y a aucune aberration chromatique et tout ça. Il est vraiment, vraiment stylé. Ça fait des plans pack shot vraiment beaux. Mais n'empêche que c'est pas du tout celui que j'utilise le plus. Parce que c'est dans des moments précis, tout ça. Si en fait j'ai vraiment besoin d'ergonomie et de place, en tout cas les moments où je ne peux pas apporter tous mes objectifs, si je peux apporter qu'un seul objectif, je prends le 24-105. Si je peux me le permettre, je prends le grand angle et le 24-105. Et puis selon, si je fais un vlog vraiment tout seul en mode selfie, là je prends que le grand angle. Et pour terminer avec les objectifs, j'ai un dernier, hein, comme vous avez vu tout à l'heure, avec lequel je me cadrais. Un 35 mm, toujours focal fixe, qui ouvre en 1.8 de chez Sony. Qui fait vraiment le taf. J'aime vraiment beaucoup l'ouverture 1.8, ça donne un bon flou de profondeur de champ, c'est vraiment sympa. Vous avez vu que nous avons des petits scratch élastiques pour protéger tout le matériel au cas où si ça tombe et tout ça, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a rien qui bouge dans notre sac. Donc après, pour terminer avec la vidéo, nous avons un petit micro de chez Rode, hein, le micro vidéo Miggo, là, quelque chose comme ça. Ça coûte 50 balles, c'est vraiment l'un des meilleurs micros en termes de rapport qualité-prix. Vous pouvez commencer avec ça, vous pouvez terminer avec ça, vous n'aurez pas forcément besoin de plus tant que ça reste dans le cadre un peu semi-professionnel et amateur. Et après là, vous avez vu que j'ai un micro cravate sur moi, c'est le Wireless Go. Il est vraiment pas mal, combiné avec la C3, ça donne vraiment une belle qualité son. Et là, vous voyez, je suis en train de parler normalement et le son est vraiment très correct. Des fois même, j'ai même pas l'habitude de ça et je parle très fort dans mon micro alors qu'en fait, j'ai même pas besoin. Donc c'est fini pour la partie vidéo. Vous avez vu que là, nous avons les outils de première nécessité. Ça, c'est pour nettoyer les lentilles, un petit cutter, une petite clé de 8 pour enlever les hélices et en remettre pour les drones FPV. Et là, un petit tournevis avec le kit pour changer de tête. Là, nous avons une petite poche dans laquelle je mets tous mes petits câbles USB, micro USB, USB-C, USB-C et mon testeur de lipo. Ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter un shutter tone pour pouvoir le scratcher à côté de mes lipos, comme ça au moins ça bouge pas et au moins j'ai à portée de main. Parce que là, bon, ce que j'aime pas trop avec cette poche, c'est que tout peut facilement glisser. Voilà, là, hop, c'est tombé. Donc ça me fait un petit peu peur lorsque je fais un petit peu lorsque je suis un petit peu dans le rush. Donc ça, c'est à changer, c'est pas encore très ergonomique. Et alors ça se voit pas trop, mais sur les côtés ici, vous avez vu, vous avez des petits arceaux en alu, je pense, ou oui, c'est de l'aluminium, je pense. Et c'est ça qui fait qu'on a un aussi bon maintien en fait sur notre ceinture. Donc là, comme je le disais, nous avons le Mavic 2 qui est gentiment bien dorloté ici, il dort confortablement. Et nous avons ces batteries, la radiocommande juste là-dessous. Moi, ça bouge pas, je peux facilement accéder à tout ça, même les petits packs de filtres ND de chez Freewell. Donc rien d'autre à dire de plus sur le Mavic 2, écoutez. On va commencer la partie FPV. Ici, nous avons les petites Fat Shark, hein, les Fat Shark HDO, pas les HDO 2. Je pense que, de toute façon, un jour, je vais être forcé de passer en HD, mais j'aimerais attendre quand même une nouvelle version de Air Unit. Mais voilà, je vous ai teasé, je pense un jour abandonner l'analogique parce qu'évidemment, tout est fait pour qu'on passe sur l'HD. Mais n'empêche que je trouve que je me débrouille quand même pas mal en analogique quand je vois ce que font certains en HD. Donc ça, c'est la partie vidéo. Après, là, vous me direz,
Elle est où la radiocommande? Ben, la radiocommande, en fait, je vais vous en parler après. Là, on va passer sur le coin lipo. Alors là, il n'y a pas toutes les lipos. Là, c'est juste, on va dire, le stock nécessaire que j'ai lorsque je fais des expéditions. On va dire que j'en ai pas besoin d'en prendre plus que 10. Nous avons que des tatous Airline V3 en 1550 mAh et une petite intrus. Celle-là, une Lion de chez eFlight en 3000 mAh. Alors pour certains, ils ne savent pas du tout ce que c'est. Pourquoi je m'attarde autant sur cette batterie? C'est qu'en fait, elle n'est pas comme les autres. Avec cette batterie, je peux tenir plus de 10 minutes de vol avec mon FPV 6 pouces. Ça me permet d'avoir une meilleure autonomie que le DJI FPV et ne pas me tracasser de tous les points négatifs de ce drone. Donc voilà la petite bête, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler dans une vidéo vraiment dédiée à cette lipo, enfin à cette Lion, et je vais vous expliquer un peu plus en détail à quoi ça sert et dans quelles circonstances ça peut être utile, mais c'est beaucoup plus cher. Bref, voilà, ça c'est l'lipo, pas besoin de plus. Ah oui, alors là nous avons les GoPro, nous avons une Hero 6 avec filtre ND de chez Polar Pro. Il coûte une fortune, mais bon, c'est les meilleurs ND. En général, j'utilise le ND 16, là-dessus on a un ND 32 parce que j'étais à la montagne et il y avait beaucoup de neige et du soleil. Et en fait, l'intérêt d'un ND, c'est de pouvoir rester en manuel et avoir un beau flou de mouvement. Et d'ailleurs, pour vous parler vite fait de mes paramètres, je filme toujours en 4 tiers non stabilisé pour stabiliser ensuite en post-production avec Real Steady Go, moins 5% avec le code DML5. Là aussi, j'ai une petite commission, ça me fera très plaisir si vous utilisez mon code pour utiliser Real Steady, parce que Real Steady, c'est le logiciel de stabilisation pour faire des plans FPV. Tout le monde l'utilise, tous les pros. Pour moi, c'est grâce à ce logiciel qu'on a pu vraiment s'émerveiller dans les images FPV. Et puis pour le freestyle, nous avons la GoPro Hero 7. La GoPro Hero 7, je ne vous la conseille pas du tout si c'est pour faire autre chose que du freestyle, parce que elle n'est pas du tout optimisée pour Real Steady. Donc voilà, elle me sert pour quelques pack shots et tout ça, mais rien de plus. Elle attend une mort certaine en FPV. Pour l'instant, elle s'en sort plutôt bien parce que j'ai des cases GoPro qui sont vraiment très solides. Mais voilà, elle est destinée un jour à se faire exploser. Puis d'ailleurs, l'écran ne marche plus. Donc je sais que vous attendiez tous, là, vous posiez tous la question de « Mais où est-ce qu'il a pu ranger sa radiocommande et tout ça ?» C'est pas possible, il y a vraiment autant de place que ça dans ce sac. Ben oui, 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 je vous assure, il y a énormément de place. Elle est juste dessus, la radiocommande. Alors, elle est vue comme ça, ça fait un petit peu, elle est posée un petit peu n'importe comment. Mais en fait, ça va, elle touche rien parce que là-dessus, en fait, il n'y a rien qui va appuyer. Donc, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je m'imprime des petits trucs TPU pour protéger les joysticks, les interrupteurs et tout ça, qu'il n'y a rien qui se casse. De toute façon, cette antenne, je ne l'utilise plus. Donc, il n'y a aucun souci. Et le crossfire derrière, l'antenne est débranchée et est mise confortablement là-dedans avec toutes les autres petites antennes que j'ai au cas où. Et dans cette petite sacoche, nous avons, d'ailleurs qui est bien protégée par une fermeture éclair parce que c'est quand même important, nous avons toutes les batteries pour la 7, pour les GoPro, nous avons les antennes, antennes Crossfire, antennes pour le VTX et notre petit pack de filtres ND Polar Pro. J'ai d'ailleurs pété le ND8 dans un bandeau. Ça c'était quoi? Oui, ça c'était au cas où aussi je suis pas loin d'une mort certaine. C'est pour faire des petits appels à des hélicoptères, voilà. Mais j'espère ne jamais en avoir l'utilité. Mais bon, voilà, c'est des petits accessoires que j'avais, donc tant qu'à faire, autant les utiliser. Un jour, ça me sauvera peut-être la vie. Et en fait, ce que je vous disais sur cet énorme rangement, c'est que là, en fait, je peux le tirer. Et en fait, je peux tout enlever et en faire un sac de randonnée vraiment comme les autres. Et c'est ça vraiment qui est bien, c'est que le jour où vous voulez juste faire de la randonnée et que vous avez besoin de place et que vous n'avez pas besoin de tous ces compartiments, vous enlevez tout et vous avez un vrai sac à dos. Puis d'ailleurs, là derrière, vous avez encore une place, vous pouvez glisser un ordinateur là-dessous parce qu'il y a une poche. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes papiers pour prouver que je suis en conformité avec la loi au niveau des drones, tous les documents qui concernent mon activité professionnelle et tout. De toute façon, il faut toujours avoir tout sur soi en cas de contrôle. Ça, je vous conseille vraiment de le faire. Donc voilà, ça, c'est bien caché, ça prend pas de place. Voilà, très pratique. Sacré cadrage hein, quand même. Il y en a, ils se font des studios juste pour pouvoir filmer comme ça. En fait, tu prends un trépied, tu le mets un peu en hauteur et c'est bon. Ensuite, la petite poche du dessus, là. Hop, très pratique aussi. Là, nous avons plein de choses. Nous avons encore des petits compartiments. Alors, vous avez vu qu'on a beaucoup d'épaisseur. Vous pouvez mettre des petits pulls, vous pouvez mettre des kawaii, des choses comme ça. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de place pour des choses assez encombrantes et qu'on peut bien tasser. Là, nous avons quoi? Alors, j'ai un truc qui traîne. D'ailleurs, c'est pas du tout bon, ça. Là, nous avons quoi? Nous avons
un masque parce qu'on vit une période de merde. Ensuite, nous avons ça, c'est vachement pratique parce que je fais beaucoup d'expéditions sur des journées entières et je peux vous dire que toujours oublier sa fourchette et son couteau, c'est chiant. Ça me permet d'avoir toujours quelque chose pour pouvoir grignoter et prendre mes petits plats. Bref, je vous raconte un peu trop ma vie là. Un autre outil que je trouve vraiment essentiel qu'on m'a offert et qui est, je pense, le cadeau le plus utile qu'on m'ait fait, c'est un Leatherman. Je pense que vous connaissez à peu près tous. C'est vraiment sympa, c'est un outil multifonction. Vous avez une pince coupante pour couper les câbles et tout ça. Vous avez un tournevis universel, vous avez des ciseaux, couteaux, scie, lime, ouvre-conserve, décapsuleur. Enfin, vous avez une tonne de trucs. Ça m'a sauvé dans plein de circonstances. Et moi, l'outil que j'utilise le plus, c'est celui-là qui me permet de visser, dévisser tout ce qui est au niveau du ronin et tout ça. Pour toute la grosse visserie. Et l'autre qui me sert beaucoup, c'est la partie visserie où en fait c'est un petit truc qu'on enlève et qu'on change parce qu'on a toute une plaquette avec plein de têtes différentes. Ça nous permet de pouvoir visser et dévisser n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment le genre d'outil que je vous conseille à tous vidéastes. Ça peut que vous servir. C'est un petit investissement, mais une fois que vous l'avez, mais vous ne pouvez plus jamais vous en séparer. Et là au moins, je suis sûr de ne pas pouvoir le perdre parce que j'ai attaché ça. Comme ça au moins, je l'utilise et une fois que je l'ai terminé de le ranger, je le reclipse, comme ça je suis sûr de ne pas le perdre parce que ça vaut quand même cher ces trucs là. L'autre compartiment qui est protégé et qui a intérêt à toujours être fermé, c'est toute la partie sauvegarde. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai des terras de cartes SD. Donc j'en ai plusieurs, j'ai beaucoup de 124, j'ai 228, j'ai 328 comme ça. J'ai ce qu'il faut pour transférer tout sur mon ordinateur, hein. Peu importe les sorties et tout ça. Et là nous avons un disque dur SSD de 1 Tera qui est minuscule, vous avez vu, qui est normalement dit comme très solide. Je viens à peine de l'avoir parce que j'ai un HDD de 3 Tera qui m'a lâché parce que je l'ai trop gambadé partout. Normalement avec ça, j'espère que ça va être très solide et que je vais pas perdre mes rushs. Pourquoi j'ai pris 1 Tera? Parce que je me dis que lorsque je vais faire des expéditions avec des amis qui durent une semaine et tout ça et qu'on se partage tous les rushs, normalement je ne devrais pas avoir plus d'1 Tera. Pourquoi pas rester là-dessus? Ça vaut extrêmement cher, je crois que ça vaut 250€ ce truc. Donc j'espère en avoir vraiment l'utilité, mais bon, c'est, enfin, de toute façon c'est sûr que j'en aurai l'utilité, ça me permet vraiment de faire pas mal de backup. Donc voilà, en plus ce qui est vraiment cool, c'est que c'est très léger. Là vous avez vu que nous avons un nouveau truc de survie, hein, au cas où si je suis dans la merde, ou si on a envie de virer quelqu'un ou un chien qui s'approche trop près de nos drones, on sait quoi faire. Donc voilà, vous inquiétez pas, on a bientôt fini. Nous avons deux autres petits compartiments ici, nous avons un grand qui nous permet d'avoir encore pas mal de place. Qu'est-ce que j'ai rangé là-dedans? Alors là, c'est... Ah oui, c'est le bas de mon short. Nous avons des mouchoirs, nous avons un peu de bouffe, des barres de céréales, des médicaments, d'autres trucs de survie. Alors j'ai des stickers, hein, au cas où, bah, si vous me croisez, bah, n'hésitez pas à m'en demander, je pourrais vous en passer. Carte de visite, évidemment. C'est entre le truc survie et l'emplacement poubelle un peu. Hein. Et la dernière mini poche. Mais moi, pour l'instant, j'ai mis une couverture de survie. Comme ça, voilà, on sait jamais. C'est toujours important d'en avoir une. Panneau LED qui est vraiment pratique pour les tournages, mais c'est tellement important. C'est vraiment pas mal du tout. Bon, évidemment, là, ça fait pas de lumière. Je peux vous dire que dans la nuit, ça en fait énormément. Par exemple, ça, voilà, si vous avez besoin d'aller vite sur l'autoroute. Non, je déconne. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Avec la 7, là, j'ai un trépied. Hein, vous voyez les bas du trépied. C'est la seule chose vraiment que j'ai envie de changer assez rapidement parce qu'il prend beaucoup de place. Il est lourd. C'est tout juste ce que je mets dessus. Là-dessus, il y a l'AC3 avec le wireless go, il y a une poignée qui est fixée à une cage avec un écran déporté, c'est comme ça que je peux me voir assez facilement, hein, voilà, coucou. C'est pour ça d'ailleurs, bah, si vous voyez que je regarde de ce côté-là, c'est qu'en fait j'ai fait l'erreur de regarder l'écran et pas l'objectif. Bon, je raconte beaucoup trop ma vie, mais en fait, oui, je voulais juste dire à la fin, enfin non, la conclusion, je vais pas la faire comme ça en regardant de haut, c'est débile. Donc pour conclure, déjà, je suis vraiment satisfait de tout mon matériel, j'ai vraiment rien à dire dessus. Le sac est vraiment génial, c'est le sac que j'attendais d'avoir, je voulais vraiment un sac comme ça, et je suis très content d'avoir enfin un sac de cette marque. Comme je vous l'ai dit, évidemment, si vous en achetez un, et d'ailleurs si vous achetez sur tout le site de Miss Numérique, à chaque fois il y a des liens dans la description, je suis partenaire avec eux. Donc si vous faites un petit achat chez eux,
pensez à moi si vous voulez me soutenir et cliquez par mes liens affiliés et puis faites les achats que vous voulez. Moi, j'aurai une petite commission là-dessus. Donc, c'est sûr que quand je vous présente tout mon matériel comme ça, ça fait rêver. On se demande d'ailleurs d'où on sort tout cet argent. Ça fait très peur lorsqu'on commence à faire l'addition de tout ce qu'il y a là-dedans. Il y en a pour une voiture, en fait. C'est juste des achats qui sont faits petit à petit. C'est des années et des années d'investissement. C'est beaucoup de travail derrière parce que maintenant, c'est devenu mon métier. C'est pour ça que j'ai autant de matériel. Après, bon, pour certains, ça peut paraître ridicule et amateur ce que j'ai, mais n'empêche que je suis déjà très content de tout ça. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire la course à l'armement. J'ai gagné des clients parce que j'avais un matériel qui était plutôt entre les deux. Il y en a qui ont même perdu des clients en privilégiant le gros matos plutôt que la qualité et la technique de ce qu'ils faisaient. Donc vraiment, vous embêtez pas là-dessus. Prenez de l'expérience sur votre matériel. C'est la phrase que j'utilise tout le temps et vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines. Dès que vous vous sentez bridé par votre matériel, par ce que vous utilisez dans votre quotidien et tout ça, et qu'à un moment donné vous dites « si j'avais mieux, j'aurais pu faire ça », eh bien là, il faut commencer à réfléchir, à investir dans du meilleur matériel. Évidemment, posez-vous les bonnes questions. Si vous avez un avenir professionnel et tout ça, ou que vraiment ça ne vous donne plus envie de filmer avec, que ça commence à vous dégoûter et tout, et que ça vous trouvez ça dommage parce que vous adorez ça et que c'est votre passion, eh bien là, vraiment, réfléchissez à investir un peu plus haut. C'est exactement ce que j'ai fait avec la C3. Je suis trop content de ce boîtier et du reste, hein, les drones et tout. Par exemple, le Mavic 2 Pro, je commence un petit peu à saturer de ce drone. Il me donne de moins en moins envie. J'ai envie de quelque chose d'un petit peu nouveau parce que ça devient très redondant et j'espère vraiment qu'on aura autre chose à l'avenir qui puisse nous un peu nous faire waouh quand on regarde et quand on filme. Donc j'espère que cette vidéo vraiment pas prise de tête sur mon matériel vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me donner des petites astuces ou des conseils sur du matériel, quelque chose qui paraît essentiel pour vous, que vous avez et que vous dites mais ça, il faut l'avoir dans son sac à dos. Donc s'il y a quelque chose d'essentiel qui n'est pas dans mon sac à dos, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous avez vu que je suis parti de nuit en bivouac à la montagne. Vous inquiétez pas, les vidéos arrivent très prochainement. Alors d'ici là, portez-vous bien.